Merci à toutes, merci à tous et bienvenue dans l'univers du bonheur. Bonjour, bonjour. Ouais. Non, c'est vrai, c'est délicat parce que c'est au quotidien que je me dis, bah, 365 jours par an, je me dis, je vais partir en vacances. À un moment donné, alors j'ai regardé les brochures. Je me suis dit, bon, la Bretagne, c'est sympa, c'est vrai, c'est sympa. J'adore aussi les sushis, on aurait pu partir au Japon ou en Chine. Mais bon, l'île Maurice, bon, il y a des ouragans, enfin bon, vous voyez. Alors finalement, je vais partir en bonhomie. C'est un pays où il fait toujours beau, comme ici. Les gens sont adorables, comme ici. Il fait chaud, on se sent bien, comme ici. Bienvenue au pays de la bonhomie et de la joie de vivre. Bonjour. Vous y rencontrerez aujourd'hui Elisabeth. Bonjour à vous. Vous y rencontrerez Ghislaine. Bonjour à vous, Justine. Accueillons Jean-Baptiste. Et enfin, Sandrine est ici. Alors vraiment, super public! Oh là 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 là! Elisabeth, présentez-vous à la France. Que dire sur Elisabeth? Eh bien, Elisabeth vient de terminer ses études il n'y a pas très longtemps. Elle a terminé ses études. Alors, comment ça s'est passé, les études? Des études de quoi? Bah, plutôt bien, commerce et le marketing. Commerce et marketing. Voilà. Combien d'années après le baccalauréat? 4 ans. Oh, bac plus 4, les amis. Hé, 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 hé. Nous accueillons également Ghislaine aussi présente. Oh, Ghislaine, vous, dans la vie? Eh bien, moi, dans la vie, je suis bibliothécaire. Je fais du bénévolat pour une association. Eh bien, écoutez, voilà. Bibliothécaire, ça fait dire bibliothécaire. Hein? Exactement. Exactement. Et where do you come from? Tout à côté de Rennes, Montgermont, une petite ville à côté de Rennes. Montgermont. Dans l'Ille-et-Vilaine. Et vous êtes venu avec? Avec Hugues, mon mari. Hugues. Bonjour, Hugues. Bonjour. Et ça fait longtemps avec Hugues? Ouh, oui, ah, ouh. Notre fille est née à 37 ans quand même. Hein. Ah, vous êtes avant? Ah oui. Et ça fait combien de temps avec Hugues alors? Ah ben... Plus de 37? Calculé, ben voilà. Plus de 37? Eh oui. Ah, c'est beau. Eh bien écoutez, que de bonheur à la télé. Accueillons Jean-Baptiste! Jean-Baptiste, vous êtes accompagné, vous, dans la vie, non? Oui, tout à fait, avec Angélique, ici présente. Oh, Angélique, oh. La maman de mon petit Jérôme. Oh, maman, devinez. Et vous, dans la vie, alors, Jean-Baptiste? Donc, agent d'accueil dans les services du Premier ministre. Et vous voyez M. Rampfinsmar? Non, malheureusement. Avant, vous le croyez? Je suis dans un établissement. Vous n'avez jamais croisé Jean-Pierre Rampfinsmar? Si, 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 plusieurs fois quand même, mais bon, jamais. Mais il a l'air comment? Cool? Ou il a l'air un peu serré le matin quand il arrive? Égal à lui-même. Égal à lui-même. Tu vois le gars qui flippe un peu, il n'y a rien. Et Sandrine est parmi nous, Minou. Minou. Alors, effectivement, une question me taraude, Sandrine. Allez. Que faites-vous dans la vie? Coiffeuse. Non! Mais c'est pas vrai. C'est magnifique ce que vous avez. Je suis tellement contente d'être ici, Jean-Luc. Oh, bah dis donc. Tellement contente. En plus, vous venez d'où, alors? Mazingarbe.
Mazingarbe, c'est où, ça? C'est entre Lens et Béthune, dans le Pas-de-Calais. Et vous êtes venue avec? Mon mari. Votre mari qui s'appelle René? Non. Il s'appelle pas René, il s'appelle? Frédéric. Frédéric. Hein? La coupe de cheveux du Fred aussi. C'est super. Attendez, c'est vous qui lui avez fait ça, non? Bah oui. C'est super, vous êtes magnifiques tous. Bienvenue à nos petits potes qui plus est à midi. Bonjour. Et vous qui êtes tous accompagnés dans la vie, cela tombe bien, elle a rencontré l'homme de sa vie. Rencontrer. Sur 100 femmes, combien ont un partenaire dont leurs copines disent que c'est la perle rare? C'est la toute première question. Elisabeth, vous êtes accompagnée dans la vie? Non, malheureusement. Oh, elle est célibataire. Pour vous, la perle rare, c'est... C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, c'est sûr. Mais quelle qualité doit-il avoir? La gentillesse avant tout. La gentillesse. Ouais. Bien. Elisabeth, à votre avis, combien de femmes ont déclaré avoir un partenaire dont... J'ai mis 81. 81 ont un partenaire. Qu'est-ce qu'il y a, Ghislaine? Je suis allée un peu bas, peut-être. Vous êtes allée un peu bas? Vous avez tapé où, Ghislaine? 35. Jean-Baptiste Matignon. Matignon. Donc 51 pour moi. Ça n'a pas l'air mal. Votre Angélique a l'air aux anges, si je puis me permettre. Sandrine, notre coiffeuse. On va dire 75. En fait, les femmes ont répondu à hauteur de... La réponse? Jean-Baptiste commence super bien cette matinée. Matignon se porte bien. Premier. Tout pile, petit cadeau, c'est rigolo. Ce sont des binoculaires très chics. À Matignon, vous allez faire, bien sûr, fureur. En revanche, ça c'est bien. Beau cadeau, c'est un agenda électronique. Ah oui. Jaune ou orange? Orange. Orange, est-ce le beau cadeau pour bien commencer cette matinée? Et mais oui! Voici un nouvel agenda pour vos rendez-vous de gala. Vous noterez vos soirées cinéma, vos fêtes à la Casbah, vous siroterez un soda en remplissant d'un doigt votre nouvel agenda. Merci beaucoup, merci. Ça commence super bien pour vous. Qui va perdre un pote la plus éloignée? Elisabeth! Elle est célibataire, elle perd déjà un pote. Mais vous inquiétez pas, vous avez un super pote qui reste avec vous et vous avez 150 potes dans la salle. On est tous avec vous. Mes amis, nous allons parler d'une grande dame. Fut-elle aveugle? En effet, Edith Piaf, de son vrai nom Edith Giovanna Gassillon, perdit la vue suite à une méningite et ne la recouvra qu'après un pèlerinage à Sainte-Thérèse de Lisieux. Elle aurait eu une otite, elle serait allée à Sainte-Thérèse de Lisoreille. Dites-moi ça. Qu'est-ce que j'ai mis, chef? Excusez-moi. Ghislaine, Edith Piaf quand même. Oui. Oh mon Dieu. 12. Jean-Baptiste. 8. J'avais pensé à 8. Ah. Sandrine. 13. Elizabeth. 6. Ah, le 6 a l'air en tête des sondages.
Et en fait, Edith Piaf est restée aveugle pendant 4 années. Bravo, Gilisabeth. Gilisabeth. Et malheureusement, avec 13, ça vous porte pas bonheur, hein, Sandrine, le 13. Hein? Ben oui, je sais bien. Il y a un pote qui est déjà parti. Il est parti. Rattrape-le. Il est parti. On va parler poisson, Sandrine. Poisson. Si je vous dis poisson, vous me dites. Poisson. Avril. Avril. Chocolat. Poisson, Jean-Baptiste. Sushi. J'adore les sushis. J'adore les sushis. Ghislaine, je vous dis poisson, vous dites... Bretagne, la mer. Ouais. Poisson, Elisabeth. Moi, je vais dire plongée. Vous allez dire plongée. Ouais. Vous avez déjà eu des poissons chez vous? Comment? Vous avez déjà eu? Non. Mais je regarde, vous êtes magnifique. Oh, je suis en train de regarder. Regardez les enfants. Regardez Elisabeth qui est le célibataire. Regardez la grande classe. J'adore les sushis. C'est beau, magnifique, très joli. Merci. La question nous dit, sur 100 Français, combien ont déjà eu des poissons chez eux? C'est la question. J'adore les poissons. Jean-Baptiste, vous avez répondu? J'ai répondu. Oui. J'ai répondu 41. Je sens que cet homme est gagné par la politique. J'ai répondu oui, Jean-Luc, alors j'ai répondu. Mais non, mais il ne faut pas dire des bêtises, donc... Non, mais il n'y a pas de souci. 41% ont déjà eu des poissons chez eux. Sandrine, vous avez déjà eu des poissons, vous? Oui. Quel genre de poissons? Des bizarres, des gros. C'est-à-dire... Ah oui, des joufflus? Il s'appelait comment? Comment on l'avait appelé? Non, je sais que le canari, c'est Raoul. Le canari, c'est les poissons, bah, je sais plus, ils mouraient tellement vite qu'on les remplaçait, donc ils n'avaient pas le temps d'être baptisés. Ça meurt, ça. S'en va et ça revient. Sandrine, vous répondez 85. Oui, oh là 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 là. Elisabeth? Bah moi, j'ai mis 35. 35? Petite grimace du 35. Attention, Ghislaine. Ghislaine? 62. 62. Sur 100 Français, les poissons? 45. Jean-Baptiste Matignon se porte bien. Et alors là, bravo! Ah, on va perdre la coiffeuse! Ouais, ça s'en va, hein! Sandrine, on va vous offrir un cadeau. J'adore les cadeaux. J'articule. Devant un micro. Quoi? Car j'ai gagné. Un dictaphone. Fini texto, sténo, adieu dactylo. Parlez maintenant à votre dictaphone. Enregistrez illico, paroles subtiles, voire même fripon. Alors, j'en avais pas. Ça tombe. C'est pour ça qu'il faut venir attention à la marche. Tout à fait, Jean-Luc. Dites-moi, Sandrine, je pose une question un peu indiscrète. Est-ce que vous savez déjà avant la mêlée ce préservatif? Ben oui! Vous savez déjà mis? Ben il faut! Oui, il faut! Sortez couvert! C'est vrai! Et est-ce que ça, la première fois... Pas! La première fois, il a pété le truc! Eh oui! Oui! La deuxième fois... Ça a été... Résistant. Oui. Jean-Baptiste, vous avez déjà... Oui, quand même, ouais. Ouais. Pas tout le temps, enfin, pas tout le temps, mais bon.
Oui. Quand même. Non, mais avec votre compagne... Non, mais disons qu'on a eu un petit bébé il y a 2 mois. Oui. Et donc, après avoir accouché, oui. Étant donné qu'elle allaitait le bébé, elle ne pouvait pas prendre la pilule. Eh oui. Donc, trouver des solutions. J'adore les préservatifs. Moi aussi, j'adore. Je comprends, je comprends. Ghislaine, Ghislaine, vous avez déjà utilisé ce... Bah, il me semble, oui, mais... Ouh, ouh, ouh. C'est-à-dire... Bah, quand on voit mon âge, il y a longtemps. Mais vous en avez déjà avec Hugues, déjà? Oh non, non. Ah, pas avec Hugues, hein. Je confirme. Pas avec Hugues. Pas avec Hugues. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a, Ghislaine? Pas de préservatif avec Hugues. Pas de préservatif non, avec Hugues. Mais à l'époque, avant? Bah, ça existait déjà, on les tricotait. D'accord. Je... Elisabeth, vous-même, t'avais déjà oui. Pratiqué. Et la première fois, alors, de préservatif C'est compliqué, toujours. Hein. C'est la première fois, hein ça veut... Et après? Après, ça va. Après, ça va. Ouais. Mes amis, c'est la question coquine. En ce mardi 13 mai, Sainte-Rolande, tu resteras derrière la porte, Discopoint. Voilà. Voilà. En moyenne, combien de préservatifs a utilisé une femme avant de réussir à en mettre un comme il faut? Qu'est-ce qu'il y a, Ghislaine? Je sais plus, moi. Combien vous avez marqué, Ghislaine? 5. 5 avant d'en mettre un comme il faut. Bien. Jean-Baptiste. 3. 3. Elizabeth. 3 aussi. Et en fait, qui sont les plus proches de la réponse? Avec 2 bravo, Elisabeth et Jean-Baptiste. Jusque-là, tout va bien. Désolé pour Ghislaine qui perd un petit pote. Jean-Baptiste, oui, Jean-Luc. Ça fait 2 mois le bébé. Oui, 2 mois. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Jérôme. Jérôme. Oh, c'est un petit bonheur. Eh bien, peut-être qu'il y aura un avantage pour vous dans cette question, Jean-Baptiste. Elle nous dit en moyenne de combien de centimètres grandit un bébé en 1 an. Attends, alors, la taille moyenne d'un bébé à la naissance est de 50 cm. La moyenne. En 1 an, Jean-Baptiste... Moi, j'ai répondu 30. 30 cm en 1 an. Elisabeth a répondu... Moi, j'ai mis 12. 12. Ghislaine, en 1 an. 23. Des enfants, Ghislaine? Oui, des enfants et des petits-enfants. Ah bon? Quel âge ont vos petits-enfants? 8 ans bientôt et 5 ans bientôt. Bien. 23, une heureuse grand-mère. Il vous appelle mamie, Ghislaine? Grand-mère. Grand-mère? Mmh. Eh bien, grand-mère, regardez la réponse. 24, mais oui, grand-mère, mais oui, mais oui! Ah bah tiens, il a grandi, il a pris son bébon. Et malheureusement, on va perdre Elisabeth. Je suis désolé. Je suis désolé, mais je vous souhaite plein de belles choses. Vous avez Merci. Un sourire radieux. On va vous offrir un super cadeau. C'est vrai que c'est un beau cadeau. Un poste radio cassette qui fait également CD. Pour écouter Laurie au fond du lit ou Indochine dans la cuisine, voici pour toi ce radio cassette CD qui va te faire swinguer à de la cave au grenier. On vous souhaite plein de belles choses dans ce monde de brutes, mais surtout beaucoup d'amour. Merci. Et je tenais à vous souhaiter un bon appétit si vous passez à table. C'est vrai que pendant que vous mangez, vous pouvez téléphoner. 0-897-66-4000. Il y a 1000 euros à la clé en fin d'émission. 0-897-66-4000. Il y a également les SMS. Small Message Service, vous tapez au
M-A-R-C-H-E. Vous savez, sur votre clavier téléphone, il y a des lettres. Vous appuyez marche et vous envoyez le tout au 62 500. Ghislaine, sur 100 Français, combien ne savent pas manger la bouche fermée? Vous savez, 31 ne savent pas manger la bouche fermée. Moi, je dirais moins. Vous diriez moins? Oui. Vous, Toujours. Toujours la bouche fermée? Ouais, j'évite d'en envoyer un peu quand même. Jean-Baptiste, s'il vous plaît. Voyons, Jean-Luc. Attendez. Le Premier ministre vous regarde. Les Français ne savent pas manger la bouche. Ah ben non, il n'y en a que 7. Eh ben, c'est moi, Jean-Baptiste, bravo. Il faut manger la bouche fermée. C'est quand même plus poli de manger la bouche fermée. On va parler à pote du... Alors là, on va demander une définition préalable du stiple, c'est cela, hein? On est d'accord? Rapote, écoute bien la définition de notre ami. Alors, le stiple est une course d'athlétisme réservée aux hommes, semée d'obstacles. Sur un 3000 mètres stiple, combien de fois les coureurs doivent-ils franchir la rivière artificielle? Steeple nous vient de clocher en anglais. Le verbe clocher, à cloche-pied. À cloche-pied, très bien. Je vais dire 4. 4 fois la rivière artificielle. Alors, sur combien déjà? Sur combien de mètres? Sur un 3000 mètres steeple. Grand-mère, Ghislaine. Oh, alors là, j'en sais rien, moi. 3000 mètres. Sur 3000 mètres. Je dis plus. 5, j'aurais dit 5-6. 5-6? Oui, je sais pas. La réponse est 2. 7, c'est plus, bravo! Bravo! Non seulement Jean-Luc, il y a 7 haies à franchir, il y a aussi, 7 rivières artificielles, mais il y a aussi 28 haies à franchir. 28 haies à franchir, pour l'instant, vous les franchissez allégro et vous ne parlez point trop. Tu parles trop, j'entends du soir au matin. Hommes, combien trouvent que les femmes parlent trop? Alors, Jean-Luc. Ghislaine. 38. 38. Jean-Baptiste. Je vais dire plus, Jean-Luc. Les hommes ont déclaré que les femmes parlaient trop à hauteur de... Ah non, c'est 28. Ghislaine. Heureuse grand-mère. Heureux grand-père. Et les petits-enfants appellent Hugues grand-père? Grand-père, oui. Grand-père et grand-mère, c'est mignon, c'est mignon. Ah, dites-moi, grand-mère, un petit peu de conduite, vous conduisez? Oh, bah, oui. Conduis, pas de problème du côté de la côte? Pas du tout. Aucun? Aucun. Avec grand-père, ça va? Ah oui. La conduite? Ah oui, oui. Aucun problème? Aucun problème. Bien. Question suivante nous dit, quel est le plus... Quel est le plus grand... Bah oui, bah roller pote, tu fais attention. Hein. Quel est le plus grand nombre d'accidents provoqués par un même conducteur, en 20 minutes? En 20 minutes. Je dirais 17. 17 accidents en 20 minutes? Tout à fait. Je dis moins quand même. Ghislaine, moins. Moins quand même. Tout, parce qu'il faut bien sûr être super vigilant au Absolument, volant. Absolument, Jean-Luc, c'est un minimum. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire assez invraisemblable? Eh bien, c'est un conducteur de 75 ans au Texas qui a conduit 4 fois du mauvais côté de la route, commis 4 délits de fuite, a eu 10 contraventions pour, tenez-vous bien Jean-Luc, 6 accidents en 20 minutes. 6 accidents. Eh bien, Ghislaine, si c'est la réponse, vous montez sur l'escalier. Heureuse grand-mère. Mais tout va bien. Oh, le beau. Et puis, bonne nuit, petit Jérôme. Belle fin de matinée. Jean-Baptiste, vous allez bien sûr embrasser Matignon pour nous. Et on vous offre, pour être venu aujourd'hui, une super chaîne stéréo. Merci beaucoup. Elle est micro, mais mouse costaud. De la techno au disco, du cha-cha au tango. Pour toi et tes potos, à fond la fin.
Merci Jean-Baptiste. Et puis Ghislaine, toute heureuse, oui. Toute chière, notre bibliothécaire. Oui. Vous habitez à... J'habite Montgermont, c'est à une dizaine de kilomètres, non, moins 8 kilomètres de Rennes à peu près. Montgermont oui. Vous regarde et tous les grands-parents vous regardent également. Vous vous rappellerez peut-être d'un certain mardi 13 mai. Oh oui! Alors, ça consiste en quoi, le bénévolat à la bibliothèque? Eh bien, c'est pour une association. Nous, on a un diplôme de bibliothécaire, mais on le fait bénévolement, quoi. On a... Combien de temps par semaine vous allez eh bien, à la bibliothèque? Disons qu'il y a des permanences que l'on fait en bibliothèque, mais autrement, il y a des comités de lecture, il y a du classement, enfin, il y a tout ce qui se fait autour d'une bibliothèque, c'est génial. C'est très sympathique de faire du bénévolat, et puis ça réunit bien. Les gens et les hommes. Voilà, et, c'est ça. Surtout. Et c'est pour la culture. Eh bien, nous vous offrons, pour commencer, 250 euros. Merci. Alors, nous allons monter assez rapidement. Bravo, allez, ah oui. Paf, là, le Selon l'expression, quand on fait quelque chose très vite, on le fait en combien de coups de cuillère à peau? 2 ou 4 coups de cuillère à peau? Je vous vois réfléchir. En deux? En deux ou quatre coups de cuillère à peau? En deux coups de... Deux. Je sais plus. Deux. Deux? Oui. Ben, c'est deux. En deux coups de cuillère... Ah non, en deux coups de cuillère à peau. Oui! Ah, je ne savais plus! Ah, c'est pas évident! Je ne savais plus! Jean-Luc, on ne sait plus! Hein. On dit aussi, moi dans ma famille, on disait que 3 coups de cuillère à peau, 2 et 3 sont admis. Et bien, jamais 4. Oui. Mais jamais 4. On disait 3. Cela vous rapporte tout de même 500 euros. Ghislaine, je vais bien, tout va bien, et même que ça fait rire les oiseaux. Moyenne d'une mouette rieuse est de 37 ou de 47 cm. Je vois que vous prenez vos doigts. 37 ou 47 cm. Nous parlons de la longueur, c'est-à-dire du bec au bout de la queue et non pas de l'envergure. 47. Hein. Du bec au bout de la queue, 37 ou 47. Je ne vois pas trop ce que ça fait, moi. 10, ça fait alors, ça. Là, alors, voyons. Alors, 10. 10. Plus 10, plus 10. Plus 10. 37, ça suffit. Ouais. Oh oui. On vous prend un coup de 37. Oui, moi j'ai de la petite mouette. Hein. Ah, vous avez de la petite mouette. Mais c'est de la mouette de 37. De la mouette de 37. Ah, une mouette de 37. Alors, 0897 66 4000. Il y a 1000 euros. Si tu adores les sushis, tu pourras t'en payer beaucoup. Tout sur la mouette rieuse. Tout, la définition de la mouette rieuse, mais, oui, en effet, rieuse. Mais juste après la pause... Oh bah oui. Ah bah oui. Oh bah oui. À tout de suite. Chaque midi, nous nous envolons en compagnie de gens qui sont plus sympathiques les uns que les autres. Elle est heureuse grand-mère de 2 petits-enfants, 3 enfants, en compagnie de son mari Hugues depuis plus de 37 ans. Ils sont ensemble. Nous acclamons Ghislaine et son mari Hugues. 500 euros, vous avez gagné pour l'heure. La fameuse mouette rieuse, nous en parlions, mesure 37 ou 47 cm. Vous avez répondu, Ghislaine? 37. Alors, qui est cette mouette rieuse? Eh bien, c'est la plus répandue en Europe. Hein. L'espèce se manifeste bruyamment avec des cra-cra-cra. Je fais bien la mouette rieuse. Et alors, cette mouette rieuse, elle est de... 37. Hein? Qu'est-ce que tu dis, vous, 37? 37. Oui! Oh!
Bravo, votre mari est ravi. On envoie des mouettes à Rennes, quand même. Ah oui, bah oui, approche de Rennes, il y en a des mouettes. Donc bien, j'ai essayé. 1000 euros pour Ghislaine. Grand-mère Ghislaine, tout va bien. On monte la marche suivante. Allons-y. Cette chanson? Pas des maths. Ah, vous vous en rappelez pas? Non, c'est pas ça. Axel Bauer, Cargo de nuit, est sorti en quelle année? Quoi ça? C'est la chanson que l'on vient d'écouter. Soit 1983, soit 1989, Ghislaine. Alors là, ça va être au pif, ça. Le pif. 80. C'est dans les années 80. Et ça, c'est fait. Voilà. Bravo, Ghislaine. 83, 89. Je dis 83. Peut-être tort, que ça fait 20 ans, peut-être que ça correspond, je ne sais pas. 83, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Nous nous retournons vers le standard. Allô, bonjour. Allô, 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 allô. Allô. Allô, bonjour Jean-Luc. Bonjour, qui est là? C'est Véronique. Véronique. Des Ardennes. Des Ardennes? Ouais. Ouais, Véronique. Bonjour le public. Véronique. Bonjour Ghislaine, bonne chance. On vous offre 500 euros, Véronique. Véronique. Grâce au 0-800-97-66-4000, Véronique. Est-ce que vous êtes d'accord pour doubler la mise avec Ghislaine, qui a fait un sans-faute aujourd'hui? Oui. Vous êtes d'accord? Merci. 1989, nous validons. 83, pardon. Non, c'était juste pour savoir si le public suivait. Véronique? Oui. Cargo de nuit? Oui, 1983. Vous avez dit? 1983. C'est la bonne réponse! Oh là 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 là, Véronique! Merci Jean-Luc! Oh, Véronique! Jean-Luc! Véronique! Merci, Jean-Luc! Bisous, Véronique! Bisous, Jean-Luc! Au revoir! Au revoir! Oh là là! Ghislaine, vous faites un sans faute. Nous vous offrons 2000 euros. Et donc, Ghislaine, tous les grands-parents, toutes les personnes qui sont à la retraite comme vous, tout le monde est derrière vous. Peut-être que le 13 mai, oh le 13 mai, mardi 13 mai, vous allez peut-être empocher 10 oh là là. 000 euros tout là-haut. C'est là? 2000, c'est déjà beau. Hein. Ah, 2000, c'est déjà, oh, c'est oui, déjà oui. Beaucoup. Mais 10 000 euros, oh là ça là. Va, ça vient. Ça va, ça vient, ça fait des choses, l'amour, c'est ça. 10 000 euros. Quelle était en moyenne et en mois la durée d'un gouvernement sous la 4e République? La 4e République était entre quelle année précisément et quelle année précisément? Du 27 octobre 1946 au 4 octobre 1958. Là, c'est la 4e République. 10 000 euros pour vous, Ghislaine, peut-être derrière... 6 mois, la durée d'un gouvernement sous la 4e République. La durée d'un gouvernement durera peut-être 12 mois en moyenne. Nous rajoutons 6 mois, 6 mois, 1 an, 18 mois ou bien sûr 2 ans. Oh, je savais les autres, mais ça, je sais pas.
Dans un premier temps, vous validez une case et puis on demande à votre époux, bien sûr. Je dirais 18 mois. Vous diriez 18 mois dans premier temps. Vous ne savez pas. Non. J'étais trop petite quand même. Vous étiez trop petite sous la 4e République. Hugues, vous vous rappelez de la 4e République? Oh là là. Bah attendez. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre épouse, Hugues, avec les 18 mois? C'est juste d'accord ou pas d'accord, Hugues? Non. Vous n'êtes pas d'accord. Si toutefois, vous n'êtes pas d'accord, comme Hugues, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Ouh là là. Ouh aïe aïe. Effectivement, il y en a plus de la moitié qui se sont levés. Ghislaine, on se retourne une dernière fois. Attention, Ghislaine. Ah non, vraiment, c'est bête, dont j'ai pas d'idée. C'est la durée moyenne d'un gouvernement sous la 4e République. Durée moyenne, 12 mois, je vais aller. Je sais pas, 12 mois. 12 mois, bien. Et je change. D'accord, on change et on valide définitivement 12 mois. Oh là, ils applaudissent pas. Il y a 10 000 euros. Mon Germont vous regarde dans l'Ille-et-Vilaine. Attention. Première case que vous désirez dévoiler. 24. Le gouvernement, la durée d'un gouvernement durerait-il 2 ans sous la 4e République? Oui. Y a-t-il 10 000 euros? Non. Ah, ça serait trop beau. Deuxième case que vous voulez dévoiler. Le 6. 6 mois. Oui. Aïe, 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 Ghislaine. La case se dévoile. Oh, ah, merde! Et oui, en effet, beaucoup d'instabilité politique sous la 4e République. Voilà pourquoi la constitution de la 5e République est née. Mais tout de même, 2000 euros c'est bon. Pour vous. 2000 euros. Merci beaucoup. Merci. Attendez, on a passé un très très bon moment. Merci avec beaucoup. Vous. Hugues vient vous rejoindre. Regardez le palais Gilles, couvre vers vous. Six mois. Hugues, oh, c'est ce que je pensais. Mais... Alors, oui. Ben, c'est ce que je pensais, mais c'est très bien quand même. C'est très bien quand même. Allez, les grands-parents, embrassez-vous devant la France.